Thank you.
Qui a été champion régional également, Enzo Brion, le petit gabarit, la freine encolure par la taille, mais grand par le talent et par le courage, pour celui qui avait remporté pas moins de 28 victoires sur la route. Ça fait déjà un an de cela, qui perpétue la tradition familiale. On a salué son père, Fabien Brion, qui a été le seul coureur des Côtes d'Armor, qui est devenu champion à départemental, que ce soit dans les catégories des minimes, des cadets, tout comme également au niveau de la catégorie des juniors. Et c'est le neveu également du regretté Sylvain Brion, qui avait été le champion de France sur le plan des comités, qui avait représenté la France à l'occasion d'un championnat du monde du côté de Casablanca. Aux côtés de Jean-Pierre Danguillaume, qui avait remporté la course de la paix à la fin des années 60, qui a remporté le Grand Prix du Midi Libre, le National de la Route, 7 victoires d'étape sur le Tour de France. Jean-Pierre Danguillaume, qui avait également le 3e à l'occasion d'un championnat du monde, c'était du côté, c'était en quelle localité pour le suivant Jean-Pierre Danguillaume. Merci Eric, on est avec toi. Position de la main, on a vu que Hermino Mathieu a prôné à son compte des différentes autorités. Actuel du premier passage, il y avait également la présence de Romain Freund dans les premières positions actuelles. À de l'épreuve, on retrouve donc des favoris d'éducation de l'épreuve et actuellement les écarts qui commencent à se creuser, l'élastique commence à se tendre un petit peu en ce qui concerne l'épreuve du minime. On voit que la formation du CCUSL ne reste pas loin de l'explication et notamment avec l'ambition qui était réitérée par Thomas Huy. On est position de Romain Freund,
répondant à ses obligations. Pierre-Henri Basset qui ne se laisse pas perturber par l'attaque de Thomas Zieg pour le présent Enzo Brion. C'est un petit peu plus dur parce que c'est vrai qu'Enzo a fait un gros effort afin de revenir et une nouvelle fois les conditions lui permettaient de revenir au contact et ne pas se mettre dans le rouge comme on dit dans les prochains hectomètres. Il essaye de gérer son effort mais pour Evan Prevel c'est un petit peu plus dur, lui qui a été l'un des premiers attaquants. Ils sont sur le passage surélevé de la butte au niveau du télégramme, passage qui est une nouveauté avant passage de planche et on voit l'efficacité de notre quatuor de tête avec Thomas Huy en pole position. Pierre-Henri Basset cette fois-ci on sera deux tours de l'arrivée pour l'ensemble de ces coureurs avec les quatre coureurs précités, notamment avec les coureurs des Côtes d'Armor, que ce soit avec Thomas Huy, que ce soit également avec Pierre-Henri Basset qui pointe jusqu'à l'heure en deuxième position. Et on était également avec deux coureurs du département 22, puisque la jonction qui s'est effectuée, ça fait déjà un peu plus d'un demi-tour de sphère. On était arrivé avec Enzo Brion qui dit presque même avec les deux autres grands favoris de cette organisation. Pas de problème avec le champion départemental, le champion Bretagne, qui est mal éclaté sur le commandement. Quant à lui également, on sera tout à l'heure par le coureur Grégory. Et le passage qui va se tenir, ce sera deux tours de l'arrivée, deux tours de l'arrivée pour l'ensemble de ce coureur. Ce sera le cas exactement avec le société du Québec qui effectue jusqu'à l'heure une très bonne opération au niveau de cette organisation. Et je le dis avec jusqu'à l'heure la trajectoire qui s'avère le plus rapide en relance d'affaires avec justement donc un pirant du passé. Tout à l'heure, il a inauguré son palmarès au niveau de cette organisation. Le premier souvent la deuxième place, ça a été le cas notamment au niveau de l'organisation de Clubin d'Argentré, tout comme également du côté de Grandchamp. Le passage en sera deux tours de l'arrivée, ce sera le cas également avec le sociétaire à cette fois-ci du CCUZEL avec Thomas Huy qui pointe jusqu'à l'heure en deuxième position. On va relancer à la machine aux abords de ce podium. On va différents groupes que nous avions actuellement sur cette épreuve au niveau des cadets si vous nous rejoignez. Actuellement, on rappelle une nouvelle fois les conditions qui sont données à l'ensemble des concurrents cadets passant sur les listes à moins de deux tours maintenant de l'arrivée. Ça va être le cas de Calvin Aron, ça va être le cas de Robin Prevel, également grand spécialiste de la discipline qui a fait un excellent début de saison. Thomas Cohen est également à deux tours de l'arrivée pour l'ensemble de cette épreuve au niveau des cadets, où actuellement les positions sont bel et bien à l'avantage de ce quatuor formulé à l'avant-bras d'où retrouvons les féminines et en particulier celle qui est dans une belle autorité actuelle. Et toujours ce groupe de tête qui intéresse et qui étonne parce que c'est vrai que ces quatre garçons ont immédiatement donné le ressenti de cette performance qui était à la hauteur de la tâche qui leur a été confiée aujourd'hui. Celle de ça sera dans moins de deux tours maintenant puisque les quelques mètres plus loin c'est également la présence aujourd'hui du groupe mené par la formation du champion régional, le champion mondial d'Altage, Enzo Brion qui est juste derrière même à celui qui représente le grand officiage. Actuellement, Enzo Brion est à une cinquantaine de mètres, derrière 20 mètres plus loin. On retrouve la présence de Evan Prevel, toujours ce quatuor. À l'avant, ils seront à un tour de l'arrivée lorsqu'ils passeront au niveau de la ligne. Et toujours, les 5 à 6 mètres d'avance par rapport à Thomas Huy, il semble en français tout maintenant. On s'est passé la fin d'un peu tout à l'heure. Oui, Tommy, est-ce que l'avantage sera donné le sien dans les prochaines minutes? Est-ce que Thomas Huy aura la force nécessaire pour essayer de résister aux assauts menés par le sociétaire de la formation du président régional? La présence de Ewan Trevel qui est toujours à la quatrième place et qui fait figure d'excellent favori également de l'épreuve puisqu'il est loin d'avoir abdiqué dans ce final pour le podium notamment avec nos quatre premiers qui ont retenu un sérieux avantage par rapport à leurs adversaires directs. Merci
Grégory avec le nouvel départ qui était pris en considération, à savoir seulement 5 à 6 secondes devant son profil. On était mal aimé avec Pierre-Henri Massé en première ligne, ensuite avec le retard qui était porté aux 12 secondes. Autant dire que rien n'est joué à ce stade de la compétition, puisque tout à l'heure on se rappelait bien sur le passage, sur le présent passage à la fin du dernier tour avec la relance également à l'opposé du podium d'animation avec celui qui était souvent la deuxième place. Oh, my God.
Jusque-là, le plus synchronisé avec Bruno sur le relais, avec dans son sillage, nous sommes bel et bien.
revient donc avec le représentant de l'OCQMA en la personne de Kylian Girouin, associera également la jonction qui pourrait se décider, puisque ensuite en troisième position, ce sera Manon Berlin. On sera également avec William Philippe, ce sera le cas également avec le champion départemental, puisque la bonne présence, ça concerne Alain Guézagard. Alain Guézagard qui était contre lui donc en cinquième position, sans oublier également les autres coureurs de la formation, cette fois-ci de bon cyclisme. On se retrouve pour cela avec Valentin. Et on poursuit avec l'ordre de cycliste du Pays du Lef, et en particulier de la même délégation qui était le frère que ses concurrents qui ont fait partie. On a un premier groupe avec une nouvelle fois une ambition puissante. Fabien Le Nez de rester au contact des deux cours de tête. Et moi je viens actuellement toujours avec Kylian Germain, avec Kylian Delon, les deux hommes. Et c'est au passage de la ligne, mon cher Eric, avec les 40 minutes que nous devions tout à l'heure. Vous avez peut-être de l'information côté de Ludovic Barber sur le nombre de tours qui restera à courir. Le passage secondes, 10 secondes au profit des deux coureurs de cité, que ce soit avec Kylian Delon et notre part avec Kylian Germain. Et voilà donc qu'on s'apporte ce côté d'animation avec le dernier écart sous l'œil avisé de Gérard Coquerel qui nous a rejoint en tant également. On ainsi que du côté de Cloué qui est le deuxième sur le tour de Bandé. Merci de sa présence. Et on va revenir dans un petit instant donc sur les positions, sur l'état des lieux avec un bras de fer qui s'avère impitoyable avec toujours les deux coureurs en question, que ce soit avec les deux huitièmes. On se retrouve pour cela avec la question de Cloué qui se confirme qui avait du poids. Ce sera le département du Figaro qui pointe jusqu'à l'heure en sixième position. Salut également Maxime Hinault, le fils de Sébastien Hinault, qui était du moins aux abords de ce podium avec son sourire légendaire. Merci donc à la famille Hinault, puisque tout à l'heure on sera également avec la catégorie d'âme. Là aussi, ça évolue
également de même manière Louis Goulec, qui nous rejoint actuellement et dans quelle position va retrouver tenir la lutte en ce qui concerne le podium. Louis Goulec est venu d'être en quatrième position, voilà ce qui donnait bien sûr lieu à une bénéfication également dans la catégorie d'âme. Nouvelle sensation peut-être, mon cher, est-ce que vous avez des informations qui puissent vous... Pour nous, ce sera bel et bien le deuxième dimanche du mois de décembre. Initialement, également, ce sera la nouvelle édition. On sera bel et bien pour la neuf des coureurs sur le plan international du côté de référence qui peine à son avantage et qui revient une nouvelle fois avec des ambitions parfaites, puisqu'elle est sur le podium. Elle est en troisième position et elle est venue à la succès. Au niveau de l'épreuve d'homme, on est dans le final en ce qui concerne les différents derniers tours qui seront suivis par l'ensemble de la catégorie d'âme. On rappelle une nouvelle fois qu'à l'issue de l'épreuve junior et celle de date, nous aurons immédiatement ensuite les cérémonies de l'ensemble des lauréats que nous avons signés tout à l'heure à venir nous rejoindre rapidement. Cette édition de 2019 avec les deux Kylian, que ce soit avec Kylian Polo, le sociétaire de l'ECF Restin, qui est bel et bien sur l'ouverture, avec un autre représentant de l'ECF Restin, nous sommes avec Kylian Germain, qui est déclin de lui sur les relais. On les retrouve tous les deux donc avec un vapeur qui s'avère impitoyable jusqu'alors. Il maîtrise parfaitement son sujet, mais celui qui a été troisième des championnats départementaux, cinquième des championnats de Bretagne, Kylian Germain, qui vient de voir. Avec la première position, celle de Kylian Polo, la deuxième place, c'est Kylian Germain, ayant pris la tête. Donc une pensée tout au long de cette organisation pour celui qui a été un grand serviteur du cyclisme, M. Joël Pierrebrun. Les remerciements également aux assurances Groupama, nous sommes également avec les voyages à Fillon que l'on retrouve sur l'ensemble du département du Finistère et notamment dans la région de l'Esneva pour les voyages à toute distance. Autocar, grand concours à votre disposition tout au long de l'année, réservé pour cela votre confiance à un grand professionnel. On va revenir dans un petit instant sur les positions des uns des autres. On va saluer également Jean Michou qui nous a rejoint. On avait salué tout à l'heure deux organisateurs, notamment André Kériou, le président des comités d'organisation du Tour de l'Esneva. Toutes les gens dont on a eu l'occasion de vous le faire également, les responsables, la technique de la route ministérielle. Nous sommes également avec le Tour de Bretagne féminin. On a eu l'occasion de saluer pour cela, très bien, on les salue les uns les autres.
l'information du circuit américain qui est maintenant en partie volumé du circuit égale circuit qui avait passé à la butte dans un premier temps de la butte. Le télégramme le passe à Kylian Jornois en troisième position. Déjà le club de date, c'est donc qu'il y a l'enfant, il va être sur le jeu mon cher Rick dans quelques instants. Le passe à la butte est gagné. Félicitations à lui, l'ancien champion de Côte d'Armor, fondateur.